Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser vos petits nœuds. Vous pouvez les trouver en planches comme celle-ci, toutes faites dans le commerce. Il arrive parfois qu'on ne trouve pas toujours la couleur des petits nœuds qu'on aimerait ajouter à notre création. Mais je suis sûre que, comme moi, vous avez des boîtes comme celle-ci, remplies de vos rubans avec les couleurs que vous aimez. Je vous propose donc de réaliser vos petits nœuds tout simplement dans la couleur que vous souhaitez, avec une fourchette. C'est parti! Je réalise mes nœuds avec un ruban d'un centimètre d'épaisseur et une fourchette. Alors, je vais prendre un ruban de plus ou moins 15 à 20 cm. On va commencer par le placer au centre de la fourchette et on va laisser dépasser un petit morceau après la fourchette. Je vais prendre mon ruban que je vais replier derrière la fourchette et que je vais faire passer à l'avant. Je vais passer mon ruban au centre de la fourchette et je vais tirer pour créer une boucle. La boucle est ici, je ne vais pas la serrer trop fort parce que je vais en avoir besoin pour repasser mon ruban dedans. Une fois que mon ruban est passé, je vais le passer au milieu des deux dents pour qu'il revienne vers l'avant. Et je vais passer mon ruban à l'intérieur de la boucle en passant par le dessous. Donc, je prends mon ruban et je vais le passer en dessous ici de la boucle. Je le passe au centre, ensuite en dessous de la boucle et je viens récupérer mon morceau de l'autre côté. Je vais serrer maintenant mes deux parties de ruban pour serrer pour pouvoir obtenir mon nœud. Donc je serre bien. Et mon petit nœud est réalisé. Je le tiens vers le centre et je le tire de la fourchette. Je vais maintenant couper en biseau chaque petit morceau et je vais brûler au briquet chaque bord, juste un tout petit peu pour éviter que mon ruban s'effiloche. Pour vous éviter de rembobiner, je vous remontre une deuxième fois comment procéder. Je réalise mes nœuds avec un ruban d'un centimètre d'épaisseur et une fourchette. Alors, je vais prendre un ruban de plus ou moins 15 à 20 cm. On va commencer par le placer au centre de la fourchette et on va laisser dépasser un petit morceau après la fourchette. Je vais prendre mon ruban que je vais replier derrière la fourchette et que je vais faire passer à l'avant. Je vais passer mon ruban au centre de la fourchette et je vais tirer pour créer une boucle. La boucle est ici, je ne vais pas la serrer trop fort parce que je vais en avoir besoin pour repasser mon ruban dedans. Une fois que mon ruban est passé, je vais le passer au milieu des deux dents pour qu'il revienne vers l'avant. Et je vais passer mon ruban à l'intérieur de la boucle en passant par le dessous. Donc, je prends mon ruban et je vais le passer en dessous ici de la boucle. Je le passe au centre. Ensuite, en dessous de la boucle, et je viens récupérer mon morceau de l'autre côté. Je vais serrer maintenant mes deux parties de ruban pour serrer pour pouvoir obtenir mon nœud. Donc, je serre bien. Et mon petit nœud est réalisé. Je le tiens vers le centre et je le tire de la fourchette. Je vais maintenant couper en biseau chaque petit morceau et je vais brûler au briquet chaque bord, juste un tout petit peu pour éviter que mon ruban s'effiloche. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.